Eh ben disons que c'était compliqué à lancer, mais c'est lancé. Du coup, bienvenue YouTube, bonjour à vous. On est avec Toucan, salut Toucan. Bonsoir à tous. Oui, c'est introduction rapide, parce qu'en fait ça fait 40 minutes qu'on attend. Un petit peu de retard, c'est pas très grave. Aujourd'hui, Silver Gold. Alors, les équipes, vite fait. Merde, il faut que je mette les trucs, moi. Hop, le son m'a l'air un peu fort. Hop. Ok, c'est bien. Ah, Mumu ici. Voilà. Nasus, top. En fait, nous, on a une équipe qui peut teamfight, okay. Alors que la tienne, elle peut pas vraiment teamfight. Eh bah, chais. Ok, Amimu fait son petit blue buff. Je vais juste enlever ma musique. Deux secondes, hop. Même si c'est du Jarvis. Et voilà, désolé pour le petit freeze. Et voilà, c'est bon, on est bon. Du coup. Donc, Toucan, tu dis. Toucan, équipe bleue, connaît équipe rouge. Je rappelle qu'on n'a pas vraiment fait les équipes. Hein, c'est les joueurs qui jouent ce qu'ils savent jouer, évidemment. Est-ce que toi, Mumu, savais jouer à Mumu ou tu as conseillé? Parce que toi, si, je sais que tu aimes bien en fait, conseiller. Il y avait Mumu. Le choix entre Mumu, Kha'Zix, Nocturne, Gragas et Fiddle. Okay. Mais bah, Mumu, c'est un des premiers persos qui m'a dit. Et pour le coup, comme j'ai une équipe très agressive, avec Akali, Draven, en tout cas, okay, bah, j'ai préféré un Mumu. Après, on voulait jouer Pyke à la place de Braum. Sauf qu'en fait il avait le choix entre Pyke et Braum, et comme Pyke il a été ban, bah j'ai pris Braum par défaut. D'accord, okay. Mais comme on a Akali qui a un passif sur les autos, etc. Amumu aussi il a un passif avec les autos. Okay. Du coup, attends, Braum était un choix. Je viens de voir un truc intéressant à top lane là. Nasus. Oui. Il stack sur les boules d'ailleurs. Il stack sur les boules, c'est horrible. Et ça c'est ce que je lui ai dit pendant la game, parce qu'il voulait jouer Ornn, Jax ou Nasus. Jax on l'a ban. Je voulais prendre Jax en vérité à un moment. Parce qu'on avait Braum, mais en fait je suis parti sur Nasus parce que je dis que tu pourras stack sur les ghouls de... Ah c'est trop bien en vrai, c'est trop, de trop bien. Voilà. Du coup la mid lane est vraiment un match-up. Il y a un autre contre à Yorick, petite anecdote, ouais. C'est Trundle parce que lorsque les ghouls de Yorick meurent, Trundle se soigne. Bien vu. Bien vu, bien vu. Et ben après Trundle n'est pas un très bon personnage top lane actuellement. Okay. Il a même été vraiment, vraiment bien détruit. Il va se refaire nerf là je crois. Hein. En plus, c'est le slow du E va être là, moins rare. Il a plus. Il ralentit plus rien. Là, je crois que il a pris cher. Ok, donc ouais, donc le match-up Nasus Yorick. Donc là, tu dis avantage plus ou moins Nasus ou ça va être 50-50? Avantage Nasus, plus la partie va être longue. C'est pas une surprise. Okay. Plus Nasus aura l'avantage et Yorick, il a pas un kit de sort assez puissant pour l'arrêter. Okay. Là, en early, jusqu'au niveau 6, il a potentiellement la rune conquérant et l'embrase plus son ulti qui peut faire la différence, ça peut être très très fort, mais passé au niveau 11 et au delà, Nasus s'il a bien stack il sera inarrêtable pour Yorick. Je parle pour Yorick. Ok, alors le Yorick joue avec Ignite parce que c'est son gameplay, il y a des gens qui jouent pas tous de la même façon, même si Yorick la plupart du temps c'est vrai qu'on a l'habitude de le voir avec téléportation. Alors je rappelle, Yorick a été nerf au niveau de ses ghouls, ça fait moins de dégâts en early. C'est sûr que ça a été nerf. De quoi qui était nerf? Oui, oui, elles ont pris ultra cher les boules de Yorick. Oh non, mais t'es sérieux? Ça veut dire que là, Yorick aurait eu le kill 100%. Mais attends, mais il avait pas un PV là, le Nasus là? À peu près. Mais c'est là qu'on voit que les nerfs, même s'ils enlèvent un dégât sur des persos, ben là, Nasus a survécu grâce au nerf de Yorick. Littéralement. Ah, oh, c'est dommage ça. Ok, du coup les junglers, c'est vrai qu'on voit pas les junglers, j'ai l'impression qu'ils sont un peu éclipsés. Attends, je dis ça alors que. Elle a fait une erreur là, Akali. Oh la 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 la. Oh. Ouais. Prendre le kill avec Lee Sin, c'est pas trop grave de le KS comme ça. Parce que t'as toujours les golds avec l'assist. Un assist, ça donne combien de golds d'ailleurs pour la Lux là? Ça lui a donné combien? Je sais plus du tout. Ça, j'oublie ça. Est-ce que c'est autant rentable de. Parce que... C'est une question que je me pose pas en vrai. Après, Lee Sin, c'est vrai que c'est important d'avoir le kill sur Lee Sin. C'est pas grave, tu vois, le KS est légit parce que Lee Sin, ça va snowball en early. Donc c'est très bien en vrai qu'il ait pris le kill. C'est même plus intéressant parce que c'est lui qui va retourner la partie. Enfin. En effet. C'est important pour un jungler de faire la différence, surtout pour un jungler comme Lee Sin. Alors par contre, moi j'ai dit de la merde pour mon équipe. J'ai dit au Lee Sin de se concentrer plus à la top lane parce que je me suis dit, Lee Sin il va jamais pouvoir aller à la mid lane parce qu'il va sur la Akali, il a fait sa smoke et basta. Et Draven, pour moi, bah, il se faisait Q et Draven il fait juste son E, il balance son E et le Q de Lee Sin pourra jamais l'atteindre en fait. Et finalement, il fallait faire chier le Draven parce que, comme on voit, et Toucan l'a dit au début de la game, ou peut-être dans le loading screen que vous avez pas vu, c'est que Draven va chier sur la bot lane
en early s'il est pas dérangé. Et en effet, il est pas vraiment dérangé. Attention, Nasus qui a fait son ultime de Yuri qui a plus vraiment beaucoup de mana, sauf que là... Oh, ça touche, c'est le kill. Lee Sin 2-0, attention. Hein. Attention, ça peut aller très vite. Et là, donc, bah... Pour ça, il a quand même payé, pour le coup, parce que Lee Sin, il va quand même... Il s'est quand même mis bien, le Lee Sin. Après, c'était plutôt une erreur du Nasus d'être resté aussi. Parce que rester sur la lane avec 0 HP... Il s'est fait un petit peu surprendre par les ghouls qu'il avait oublié de tuer, et ça faisait pas mal de dégâts, mine de rien. Enfin, après, c'est très dur de tuer les ghouls de Yorick en début de partie. Ah, c'est horrible. Hein. Mais toi, Yorick qui part sur 3 lames de Doran. What là, il est énervé. il m'a dit... mon build est spécial. Ok, mais en vrai, c'est pas bête. Parce que déjà, le plus spell de Yorick qui scale pas mal. Yorick scale énormément avec l'HP et l'AD. Déjà de base, c'est les stats importantes pour Yorick. Ok. Et ça peut permettre aussi de tenir le Nasus qui n'a pas de dégâts en pourcentage, le Nasus. À part avec son R. Mais en soi... Ok. En soi, la tenue de lane de Yorick n'est pas bête du tout. C'est spécial, mais c'est pas mauvais. Aïe, 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 aïe. Lee Sin qui est bientôt niveau 6 ou pas? Ah ouais. Lee Sin t'es bientôt niveau 6. Oh, il va mourir par contre là. Ouais, il est mort, il est mort, il est mort. Et là, il vient de donner le blue buff, un kill et le shutdown à Akali. Et ça, ça fait mal au cul. Ça fait mal à Akali. La Akali qui est partie sur son revolver X-Tech qui a eu un énorme burst avec son niveau 6. Akali qui va être nerf d'ailleurs. Ça n'a pas été. Ça s'est fait nerf déjà. Mais en fait, c'est le patch que tu es en train de ouais, me dire. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Hein. C'est parce que normalement, il balance des patchs et il s'est nerf une semaine après, genre. Mais en fait, non, je non, pas non, encore non. Ah non, non, ça y est, c'est actualisé. C'est là. Parfait. Et du coup, en fait, c'était quoi sur le nerf d'Akali déjà? Ils ont réduit le dégâts sur son R aller-retour. Donc elle perd beaucoup de dégâts. Ok. Au total, parce que les dégâts peuvent être doublés en fonction d'HP maintenant. Donc elle a perdu l'équivalent de. 260 de dégâts au total. Sur. Ah, ok, sur d'accord. Ouais, c'est pas mal hein, quand même, 160. Elle a perdu entre 20 dégâts et 160 de dégâts en fonction de. D'accord, de ok. Ouais, putain, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. En effet, c'est quand même assez violent. Du coup, au niveau du build, bah, il y a Yuri qui fait sa vie avec un build assez différent. Lee Sin, bah, il part sur de l'AD, de la CDR, ok, tout va bien. La Lux qui est partie sur son objet mana et CDR. T'en as vraiment besoin avec Lux. Après, contre Akali, va falloir faire très attention parce qu'un build comme ça, bah, t'as pas de résistance, t'as pas d'armure, t'as pas de points de vie et ça peut aller très très vite. Même si elle joue avec barrière, faut faire attention quand même. En vérité, le build que fait Lux est le meilleur. Parce oui, que mais faut faire attention. Lux n'a pas le droit de partir sur des résistances et Akali est tellement hybride qu'elle ne pourra jamais s'en défendre. La Lux, je parle. C'est ça, c'est Lux ça. Lux ne peut pas se défendre d'Akali. Tous les mages devraient limite partir avec un tome comme ça pour avoir la mana et la CDR. Parce que sinon tu perds toute la pression et tu laisses Akali au roam et c'est très compliqué. C'est juste que là, faut pas oublier pour la Lux qu'elle est en face d'un assassin qui peut la 100-0 avec un combo. Ah, littéralement. Donc, est-ce que tu savais que Lux gagne 4 armures par niveau et c'est un des persos qui gagne le plus d'armure par niveau du jeu? Ah ouais? Ouais. Genre. Ouais, et en vrai, c'est peut-être pour ça que je trouve que Lux se démerde très bien. Bah, très bien, très bien. Elle se démerde mieux que les autres mages contre les assassins. Mais en fait, ça s'explique par le fait que Lux, en vérité, ne pourra jamais acheter d'objets tanky. Et parce qu'elle scale beaucoup trop bien sur les objets agressifs. Mm-hmm. Okay. Ça compense ses défenses. Et si tu joues avec un objet tank, bah tu flingues tes dégâts et du coup tu peux pas. Ok. Bah, des fois t'as quand même besoin d'un zonia, genre. Oui, mais le zonia c'est un item mage. Mais tu oui. vas pas partir okay, sur oui, un d'accord, okay, avec Lux, tu vois. Alors, okay. Après, il y a des subtilités où tu peux partir des fois sur un corps gelé avec la bonne transcendance, sur un malentendu. Parce que le corps gelé pourra devenir de la paix avec les coups. Ok, ouais, je vois. Et le mana du corps gelé avec un archange pourra devenir donc de la puissance aussi. Ah oui, bien vu. Bien c'est bien les petits ouais. crafts spéciaux. C'est situationnel et en effet, fallait y penser. En effet, ah, c'est cool. Donc à la botlane niveau farm, on est comment là? Il y a 500 gold d'écart, 600 gold, c'est pas ouf. La game est quand même très serrée, hein. Il y a 1-2. On a 10 minutes de jeu. Niveau farm, et ça marche. Eh wow, mais ça farm trop bien, mec! Par rapport au Draven? Mais non, mais regarde la mid lane et bah, botlane, ils farment super bien pour des sylvanes. Oui, c'est. Bah, là, ce que j'ai conseillé à ma botlane, c'est, je leur ai dit, si vous arrivez à scale et que vous portez avec Draven sur la BF. C'est une. Et ça a été nerf! En gros, ma strat, je t'explique ma strat. Là, j'ai fait une strat purement. Comment dire? Sur des stats. En gros, Kessa a le plus dégueulasse scaling du jeu. Et les tabis ne sont pas du tout des bots à faire sur des. Kessa des Kessa Kessa, ouais. Kessa a le plus dégueulasse scaling du jeu. Comment ça? Par rapport à ses stats.
elle scale sur les items, elle scale pas sur ses stats. Ah ok d'accord. Elle gagne que 1,7 AD par niveau, alors que Draven, il va gagner quasiment 4 AD par niveau. D'accord, ok. C'est complètement ridicule. D'accord. Et Draven démultiplie les dégâts physiques avec son Q-spell. Là où Kessa, elle a besoin d'items pour faire la différence. D'accord. Donc là, Kessa, elle a 0 dégâts. Là où Draven va carrément la punir ultra violemment si elle se fait toucher par Braum. D'accord. Salut Velcro. Ok. Ok, je me disais, elle prend pas beaucoup de dégâts contre... Voilà, ça, voilà. Ce qui devait arriver, arrive. Là, elle a un petit peu abusé quand même. Après, le Lee Sin, là, il ramasse les kills par un depuis le début de la partie. Ouh, c'était... C'était un pré-shot, ça? Ou c'était un Q il était... au début? Non, c'était un... J'ai pas bien regardé. Normalement, son Q, il l'avait raté si Draven continuait à courir, genre. Et bref. Et en gros, maintenant que Draven a son soif de sang, même s'il s'est fait tuer par Lee Sin, surtout que Lee Sin n'a pas d'armure, Draven, il peut de plus jamais perdre la fatalité, en fait. En fait, j'ai pas trop compris pourquoi la Kessa... c'est autant mis en avant. Contrairement à Alistar qui était limite derrière, c'était bizarre. Ok, le Nasus qui perd quelques PV ici. Nasus qui est parti donc sur des Tabi Ninja. Parce que c'est vrai que la Kessa, les Tabi Ninja, on a vu qu'elle prenait vraiment pas... comment dire, peu de dégâts. Elle prenait en fait, pas autant de dégâts. Le problème de Kessa, c'est qu'on veut vraiment jouer très agressif avec un perso comme Kessa. Acheter de la défense, ça casse complètement ses sorts qui nécessitent de la D, de l'AP et d'attack speed pour débloquer les compétences. Si dessus on part sur un truc résistant trop tôt dans la partie, ça ralentit le power spike des sorts. Surtout qu'elle a des gens pour la pile en fait. Donc aussi oui, elle a Lux à l'Istar. Elle a vraiment de quoi faire. A priori qu'il y a un peu plus un solo laner. Mais elle a quand même de quoi se défendre grâce à ses alliés. Et pour le coup c'est pas son job de... Ouais mais là malheureusement il fait des trucs incroyables. Hein. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Là, le problème, c'est qu'il va prendre très cher parce qu'il a pas d'armure. Non. Oh, c'est très risqué, ça, dans un Braum. Ok, le heal qui passe, le Lee Sin qui va probablement mourir. Les deux vont mourir, je pense. Le Q qui passe. Et là, malheureusement... Aïe. On a voulu auto-attaque, sauf qu'on n'avait pas la vision. Du coup, on est revenu dans le buisson sans faire exprès. Bah là, le problème, c'est que Alistar était pas là, en fait. C'est dommage. Si on avait attendu peut-être un petit peu... Ça aurait pu être mieux. Niveau vision, on est comment là? Vision, bleu, river, c'est pas mal. Niveau du drake, ouais, c'est pas mal. Les rouges aussi, c'est mieux. Bah, les rouges, non, c'est ouais, c'est ok. C'est bien. Alistar qui va peut-être. Non, on va pas réussir à le tuer. Niveau gold, les ADC, il y a déjà 900, 800 gold d'écart. Ça fait mal. Après, Draven il a son passif, donc c'est 1100 à la mid lane. Aïe aïe aïe. Et la top lane, c'est comment? Oh, c'est équivalent la top lane. Ouais, le Nasus là qui commence à courir derrière le Yorick. Ouais, bah le Yorick il a plus de mana, faut faire attention. Ça. Et là, Nasus il peut le finir là, facilement avec son passif. Ah bah, plus de mana? Plus de mana Yorick, hein, fallait respecter ça. Hein. Oh, le Q qui redonne des mana. Et non. Ouais, faites donc, gaffe là, les gens. Là on arrive. Hein. J'avais parlé du niveau 11 où Nasus allait faire la différence. Bah putain, je suis en médium quoi, c'est incroyable. Trop fort. C'est à partir de là où Nasus finalement a bien défoncé Yorick et que Yorick ne peut plus rien faire, la preuve. Et là le Nasus a bien joué parce qu'il a vu que le Yorick n'avait plus de mana, donc Yorick il pouvait plus le ralentir et plus l'immobiliser avec... Ça c'est l'épuisement parce que Nasus aura forcément beaucoup plus de sustain avec son passif. En gros les 3 lames d'Oran de Yorick c'est très fort pour le early game, mais Nasus il a cet effet passif en continu. Par contre ce qu'on n'a pas Nasus c'est la brillance, il aurait dû partir brillance beaucoup plus tôt. Ok. De toute façon là le Nasus il a beaucoup trop d'armure, le Lee Sin pourra jamais le tuer, il a pas de pénétration d'armure le Lee Sin. Il a même pas d'armure le Lee Sin non plus, donc il peut vraiment rien faire. Ah oui, il va se faire déchirer. Il a des résistances magiques, ils ont pris des sandales Mercure. Alors tu vois contre ton équipe je savais pas quoi prendre. Franchement, pourquoi de la RM? Ah si, oui non, les Mercure c'est logique en fait, je dis des bêtises. Ok, le Lee Sin qui s'est fait complètement découper ici. Malgré les sandales Mercure pour les stuns, ça n'a pas fait trop la différence. Est-ce que là, Akali reste des trucs? Bouclier pour le... Aïe, aïe, aïe. Ça le sauvait pas, de toute façon, le bouclier n'allait pas le sauver. Et là, la Lux, malheureusement, ok. On a la cage ici, l'ultime. On aurait dû faire une auto-attaque avant et... Attends, c'était un E qu'elle a remis ou... C'était le dégât du passif. Ok, bah écoute, c'est passé, bien joué. Attention à la caisse, si tu meurs par là... Tour, ce serait dommage. L'ultime de... Okay. Je vois Lux et Nasus qui se battent au niveau du raid là. Nasus qui est en train d'essayer de voler le raid peut-être de Lee Sin. On va voir, il y a 17. Il y a 1. Il y a 1500. Lux l'a ramassé ou pas? J'ai pas bien vu. Lux a ramassé le raid buff.
Elle a réussi à empêcher Nasus de le ramasser. Bien joué, bien joué. Parce que ça allait faire chier Yorick. Ça par contre, c'est pas ouf là. Ce qu'a fait Lee Sin. Contre un Brom, tu peux pas. Hein. Le Brom, il fait juste une auto-attaque. Et tu es mort juste après. Ah oui, donc, j'ai un truc que j'ai pas dit. J'ai conseillé au Draven de ne pas partir l'âme tempête. D'accord. Malgré que tous les ADC font ça, genre encore. Oui, mais même, en fait, ça va être un handicap. Parce que ce que je vois, c'est que Draven devienne vraiment big. Plus vers la fin de partie. D'accord. Et l'âme tempête, ça va le ralentir s'il part avec le statique et le canon ultra rapide, par exemple. Bah là, la sauve de sang, il lui réussit bien. Oui, la sauve de sang, il lui réussit bien. Mais s'il part avec la lame tempête. Mais il aura dépensé 2600 gold en trop, alors son corps bull c'est lame d'infini, statique, quand l'ultra rapide sauf 200. Et en gros avec un item en trop dans l'inventaire, c'est okay. un frein par rapport à son agression. Je vois. Quels sont les dégâts magiques de Yorick? Parce que j'ai l'impression que le Nasus prend très très cher, j'ai l'impression que c'est son faible résistance magique. Sur son E, c'est des dégâts en fonction des HP actuels. Non, des HP actuels. Mais les ghouls font quoi comme dégâts? Les ghouls là font des dégâts physiques. Que physiques? Oui, oui. Alors regarde, pourquoi il met autant de dégâts, genre. Alors ça fait ultra mal, parce que Yorick il est parti full AD. Il a des points de vie quand même, je veux dire. Oui, mais il a acheté 3 lames de Doran, genre. Ça fait ultra mal. Et dès qu'il aura le couperet noir, chaque ghoul appliquera un effet du couperet noir. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Du coup, Yorick il va prendre ultra cher. Yorick. Nasus va prendre ultra cher des ghouls de Yorick. Okay. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment pas bête le Yorick. Parce que Yorick, ses ghouls et son ulti scale sur les HP de Yorick et sur l'update de Yorick. Oh non, non, Lux. Oh là là, l'erreur de placement. Ah, ça, on l'avait vu à 3 km, ça. Tu peux pas, quand tu lances ton Q avec un mage, par exemple, t'es un Xera, t'es une Lux qui balance ton seul sort de stun, tu dois fuir. Et si tu le rates, hein, fuis comme pas possible. Parce que sinon tu vas te faire punir, surtout si tu restes à portée de l'auto-attaque, ça peut être très très compliqué. Là heureusement qu'il y avait son équipe. Mais faites attention quand vous jouez des champions comme Lux, Xerath, ça peut être des champions plus ou moins simples à jouer. Mais c'est votre positionnement qui va faire toute la différence, un peu comme les ADC en fait. Les ADC c'est votre positionnement et le kite que vous allez apporter qui vont être très importants. Bah juste il devrait se concentrer sur l'ulti de Yorick. Ah ouais? Bah oui parce que c'est... Voilà il a fait un peu tard. Ah ouais, en plus il a déchiré en fait. Oui, le petit Yorick fait ultra mal, et Yorick n'a plus de mana, ce qui fait que Nasus, il pouvait largement... J'avoue qu'il y avait pas mal de minions quand même, ça, c'était peut-être un peu risqué. Oh, il y a beaucoup de rewards dans ce buisson, hein. 3 rewards, mais après c'est vrai que c'était 3 rewards différentes. Ok, Nasus, au niveau de ses stacks, on est comment là? Attends, t'es sérieux? Ah, c'est plus tout. Non. Je connais plus le ratio... Il est vraiment à 363 stacks? Ouais, il a un farm... Ici, il a un farm qui rock. C'est complètement insane en vrai. Il est dans une moyenne en vérité. Bah il est dans une bonne moyenne je trouve hein. Oui c'est une bonne moyenne, on va pas dire que c'est la pire. Silver Gold hein, moi je vois des diamants, des Nasus. Bon des fois ils passent des mauvaises games mais à 20 minutes ils sont des fois à 130 de stack hein. Bah je suis beaucoup plus impressionné par rapport aux actions du Lee Sin que... que le stack de Nasus. Alors Lee Sin tu lui conseilles quoi là contre un Draven qui est un peu faible, une Akali un peu faible? Parce que là, il part sur beaucoup de dégâts. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un moment, t'as dit l'ARM, là où vous voyez les attaques de base de Nasus et Draven qui font ultra mal, parce que c'est quand même des claques assez astronomiques. Et c'est vrai que ça peut se discuter. Est-ce qu'on prend la ténacité ou est-ce qu'on prend l'établi? Et pour le coup, j'aurais préféré l'établi quand même, parce que en fin de partie, Draven et Nasus, j'en ai vraiment très peur. Alors mais voilà, comment marche le Q de Nasus? Parce que je crois que tu me l'as déjà dit, mais j'ai oublié. Un Q de Nasus sur un établi ninja. Le coup de Nasus sur des tabis ninja, si son attaque a fait du nil, les tabis vont réduire. Donc son passif là, le truc de buveuse, c'est réduit. Oui. Ah, mais c'est complètement insane alors. Bah, c'est le but de l'objet. Ok. Et c'est un rush kill pour le Lee Sin. C'est un effet. Oh, la cage est bonne. Non. Pourquoi il y a une pause? Pourquoi? Alors, la pause ici, les gars, c'est pas ouf. On a oublié de le dire. On a oublié de le dire déjà qu'ils avaient le droit à faire des pauses. Faut éviter les pauses pendant les fights. Là, Nasus, pire timing. On est d'accord. Mais là, la Lux, bon, là, elle a pas le flash. Mais si elle a un flash, elle peut mitrailler le bouton toutes les secondes là. Oui. Pour espérer éviter un flash Q du Nasus quoi. Après, Nasus n'a pas flash non plus, mais ça, elle le sait pas. Il y a un bronze silver aujourd'hui? Non.
Non, non, là aujourd'hui c'est Silver Gold, la semaine prochaine ce sera du Gold Plat. Et je sais pas si on va skiff le Plat Diamant parce qu'il y a vraiment très peu de gens en vrai en Plat Diamant. Ah non, non, y a quelqu'un là, il attend son coup Ah oui? depuis. Ah Bon bah oui, on va faire ça. oui. dis pas ça, il attend depuis au moins deux ou trois mois sans rire. Mais c'est une personne, mec. Peut-être, mais ça fait 2 ou 3 mois qu'il attend, quoi. On peut pas lui enlever ça. Tout à Ce sera fait. son coach abonné. Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire pendant cette pause? La game est serrée ou pas? En effet, elle est moins de 1000 gold d'écart. Hein. C'est vraiment insane en vrai. Hein. Oui, Il bah y a en fait, là, 800, dans la 800 gold d'écart? partie, il sait rien du tout. Hein. Y a même pas de. On peut pas dire beaucoup de choses sur la différence de gold. Mais ce qui est sûr, c'est que le pilier de ton équipe, ça reste Takessa. Ça va être Takessa qui sera le moteur de ton équipe par rapport aux dégâts. Si t'as plus de Kessa, en fin de partie, t'as plus d'équipe. Ok, là, 20 minutes de jeu. Il y en a 3 dans ton équipe qui ont toujours des bots tier 1. Est-ce que c'est pas gênant? C'est pas trop gênant. C'est pas trop gênant? Pour Parce que peut-être à chaque bac, ils ont eu vraiment l'objet qu'ils voulaient à chaque fois et ils ont C'est pas eu la ça, possibilité d'avoir les et bots. en vrai, c'est pas trop gênant. Je préfère voir ça que Oh de pas voir les non, mots du le tout. bromide, le vœu du chevalier. Oh, le sal... oh, ça va être chiant ça. Mais après, c'est vrai que là, on arrive au point tangible où les bots doivent être finis. À Mumu à 1800 gold, ça veut dire qu'il peut être sur un bac avec les bots. Akali, elle les a déjà. Draven et Braum les ont pas. Mais Draven et Braum, enfin Braum lui, il a 2 items support, il a le vœu du chevalier et l'item support. L'item Eh, support c'est vrai? complété. Et l'item support complété pour Braum, c'est super important parce que la régénération HP de truc des montagnes là, qui est de 200%, c'est super fort sur Braum parce que Braum a une des meilleures régénérations HP de base du jeu. Et ça lui permet de vraiment tenir la lane en continu. Attends, quoi? Le truc des montagnes? C'est quoi ça? L'œil des manifestations là. Ah, ok, Du d'accord. coup. Les Ah, oui, 200% d'accord, régène ok. HP. Vu que 200% de Braum base, ok. a une des meilleures régène HP de base du jeu, l'item est vraiment très beaucoup rentabilisé sur lui. Et Ok. surtout qu'il convertit les HP en dégâts sur son Q, etc. D'accord. C'est vrai qu'il parle de score de vision dans le chat. Et c'est vrai que Oui. le score de vision, De Braum, il est faible. il est très faible, alors que le Alistar fait vraiment du bon taf. Très faible. Moi, c'est ce que je dis en fait quand tu joues support, ton score de vision, quand t'es par Mais exemple tu à 20 vois, minutes, c'est environ Alistar, 40. il est parti sur des bots de mobilité. Alors, je vais expliquer quelque chose. Et Alistar, Zen il qui part se sur des bots de reconnecte. mobilité alors que déjà, il y a un Draven ou un Asus. Admettons, déjà, première chose. Et en plus, il y a potentiellement du CC avec Amumu et Braum sur les stuns. Deuxième effet. Autre effet, si vraiment il voulait la mobilité, prends des bots de célérité parce que dès qu'Alistar met son E, il charge des stacks si le corps à corps des cibles. Sauf que si Alistar se prend un slow de Braum ou de Draven avec leur sort, Alistar sera vraiment ralenti parce qu'il aura plus de bots. Alors qu'avec les célérités, ça annulera les effets de slow et il pourra continuer à charger son E et à stun les ennemis. Ah bah... Ah bah c'est la mort, hein? Et boum, plus 6. Ça Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, les bots de mobilité stack. en fait, c'est quand tu peux laisser par exemple des fois ton Mais. ADC seul et que tu roames énormément. Le Alistar à Les part bots roam de une seule fois en mobilité fait. actuellement, c'est vraiment pour les assassins. C'est vraiment pour les persos comme Talon. Et s'il y a des trucs squishy en face où dès que t'arrives à porter, tu les tues. Là en face, t'arrives à porter, tu les tues pas en fait. Et ça sert pas à Bah, grand-chose. en fait, les bots mobilité, le confort qu'ont les joueurs avec les bots, c'est vraiment qu'ils pourront. Quand Alistar peut rush l'ennemi pour mettre le combo tout de suite. Mais les bots célérité sont équivalentes par rapport à ça, mais surtout par rapport au E de Alistar. Ok. Pour qu'il puisse le placer. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Deuxième dragon pour l'équipe bleue, deux dragons devant. Ok, on va aller vite dans les rotations. Ça va être bien pour Akali, Amumu et tout ça, c'est cool. Même pourquoi pas pour Nasus qui peut décaler aussi, pourquoi pas. Le Yorick qui joue vraiment très très agressif. Hein. Yorick, la rune Conqueror qui fait vraiment une différence incroyable. Ah, mais c'est la rune Conqueror, ok, Et vas-y. plus le fait qu'il a l'Ignite, c'est-à-dire que là Yorick peut potentiellement gagner contre Nasus si Nasus fait n'importe quoi. Et le Lee Sin qui vient de refaire une petite insec, j'ai l'impression, sur le Draven qui vient de leur tuer. Le Draven qui doit pas aimer le Lee Sin, hein. Je pense qu'à la fin de la game, ils vont. Draven va peut-être un petit peu l'insulter. Il doit Se vraiment passe. être relou, quoi. Parce que tu vois, la botlane, j'ai l'impression que c'est Draven qui domine. Alors que tu regardes les KDA, t'as l'impression que c'est plus Kai'Sa qui domine. Là, oui, non, là, c'est que ça qui domine. Mais par contre, Draven, il va Mais avoir un c'est Lee Sin qui a avantage. tout fait, genre. Oui, Lee Sin, il a fait des actions incroyables. D'ailleurs, je suis assez sceptique des actions qu'il a fait quand même. En un moment, il a fait un ward dash incroyable à Qt.
Oh, mais tu sais, les mécaniques comme ça, en vrai, Silvergold, ils les ont. Hein. C'était. Je vois très rarement ça en Silvergold, hein, si c'est pour dire jamais. Oui, oui. Ok, parce que moi, en vrai, dans bon Silvergold, les mécaniques, ils les ont. Hein. C'est une personne qui n'a pas joué sur son compte depuis 3 semaines et qui a été remplacée au dernier moment. Là ? Oui, c'est lui qui a remplacé. Il a pas joué depuis 3 semaines avec son compte ? Non. Ah, j'avoue. Bon, ah bah abusé. Ah non, tu vois, moi ça m'a pas surpris là. Pour moi, il a le niveau Silvergold. Après, on va pas parler trop vite, mais. Ah non, mais moi je te dis, il y a beaucoup de Silvergold ici qui sont capables de faire ça, hein, je te jure. Hein. Ah, tu vois, ça m'a pas surpris. Là, il a raté. Oui, bah après, tu rates des sorts, c'est normal, mais. Oh, ça m'a pas choqué. Dis à tout quand que Alistar botte de mobiliste, c'est très bien, car le E de Alistar, comme il dit, si bien il cherche pendant que l'ennemi est bump. Alors. Mais non. Oui, bien vu. Ah, moi, j'étais pas au courant. Non, c'est plus compliqué que ça. Je l'ai expliqué, justement. Je l'ai expliqué, et d'ailleurs, ce débat-là, c'est des débats que j'ai eu avec des joueurs, soit avec Sam Chaka ou des joueurs autres. Le débat, il est long. Il est long. Le problème, c'est que les joueurs, ils ont intégré ça dans leur tête depuis le début. C'est agressif, ça, de la part d'Akali. Mais... Ah ouais, parce que Alistar a plus de mana, ok, c'est pour ça. C'est Akali, genre. Il lui faut ça smoke, par contre, là. Pour avoir l'énergie. Aïe. Il faut ça, elle a sa smoke, Aïe. Le Alistar, ouais, il a préféré faire un E qu'un Q. Pour le stun. Ok. Elle a max point, Akali, en second, la smoke ou le dash? La smoke, ça va. J'ai pas regardé. Par contre, il y a eu une petite erreur de la Kessa qui est restée sous tour. À 24 minutes de jeu contre un Draven et Braum, tu n'as pas le droit. Le Braum il t'attaque, il prend l'aggro de la tour, il a de l'armure, tu te fais la défense. On n'est pas sur une caisse à l'âme tempête, donc c'est une bonne caisse. Ouais, mais après c'est vrai qu'on voit encore des gens qui prennent l'âme tempête avec Kessa. Ça dépend peut-être des styles de jeu, peut-être qu'ils sont encore habitués. Je sais pas. À chaque fois qu'on voit ça avec les joueurs, on rigole parce que c'est. On sait que c'est n'importe quoi. Tu penses que c'est pas des gens qui sont habitués que finalement... Si, c'est des gens qui sont habitués, ils font ça par confort, sauf qu'en fait, ce n'est qu'un sentiment, ce n'est que sentimental. Mais statistiquement, c'est complètement naze. Parce que peut-être qu'ils sont habitués à avoir ce passif qui donne de la move speed et... Je sais pas. Le truc, c'est que sur certains personnages, comme Graves, le nerf de la Stormbreaker, en vérité, est un buff ultra conséquent pour Graves. J'avais dit au coach avant, ça, hein. Sûrement, mais peu importe. Mais oui, non, mais je... Et en fait, il y a plein d'effets qui peuvent paraître bizarres pour les joueurs, mais là où en réalité Graves est redevenu un des junglers top, un des god jungle, god tier, parce que justement, il profite beaucoup trop de la Stormbreaker. Ok. Yurik qui était en train de mettre une pression à la mid lane, qui va se faire engager par la Akali qui met tout son burst là-dessus, le Yurik qui va succomber aux dégâts, et le MU qui va prendre le petit kill. Bon, la Akali avait déjà beaucoup de kills, du coup elle peut peut-être se permettre de laisser les kills. Non, mais ils forment très bien, hein. Oui. Mais là, le truc, c'est que ton équipe n'a pas le scaling. Comment dire, les dégâts de Lissin et Lux sont beaucoup trop linéaires. Il n'y a pas de dégâts en pourcentage. Et c'est ce qui peut vraiment les handicaper sur le temps. Après, et Yorick, au bout d'un moment. Vas-y. Oui. Et Yorick, au bout d'un moment, son split push, il commence à s'estomper. Des fois, les Yorick, au bout de 10 minutes, sont déjà à la limite presque. Là, Yorick, il aura du mal à avancer parce que Nasus va devenir de plus en plus fort. Et Yorick ne va pas autant progresser qu'un Nasus. Ok. Ouais, là, il est en 1-4, le Yorick, alors qu'il a fait un bon taf. Hein. C'est juste parce qu'il se prend des trucs dans la gueule. Hein. Des fois, il faut... Là, le Yorick, petit truc, je te conseille de... On te voit souvent sans mana et rester sur la lane. On t'a vu 2-3 fois avec ça. Et t'as permis au Nasus de soit free farm, soit de te tuer. Donc fais attention à ça. Après, t'as peut-être pas le choix, on a peut-être pas bien vu la game. Mais quand vous avez plus de mana, restez pas sur la lane parce que vous êtes vraiment mais un minion, genre. Vous servez à rien. Et le mec peut free farm vous prendre sous tour sans aucun problème. La Lux qui s'est fait prendre d'ici, elle va devoir utiliser sa barrière un petit peu trop rapidement. Et là, elle va mourir. Non, le shield qui va passer. Le Draven. Et là, le Draven qui est en train de prendre limite un flank, là. Et là, c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué, le limite qui prend le kill. 3 kills pour 1, c'est ça? 3 kills pour 1, là, Akali est morte. Oh là là, la Kessa qui prend vraiment très très cher ici. Ouais, ça va passer. La Kessa, elle peut pas faire grand-chose, hein, pour le coup. Ouais, où est la... Oui, ok.
Ok, ils ont pris des frites. Oula, 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 il fait mal, il fait mal le Draven, faut faire attention. Le Yorick qui n'a plus beaucoup de points de vie, qui lui reste son Ignite. Il y a le heal de Kaisa peut-être pour un bait, mais sauf qu'elle est en 2v4, ça va être très compliqué. Je pense qu'il va devoir falloir donner cette tour. On utilise le W de Yorick pour gagner un petit peu de temps. Attends, on va peut-être pouvoir la défendre. Non, non, c'est mort de ouf. C'est mort, c'est mort. Alors, on a 3 dragons pour l'équipe bleue, hein. On est dans la merde, hein. On est dans la merde, par contre le héros de la faille qui n'a pas été fait. Surtout que le dragon d'eau permet de bien encaisser le poke de luxe avec ses sorts quoi. C'est la seule qui peut poke, et du coup ça devient inutile. Surtout avec la régène de Brome et tout, enfin, c'est compliqué là. C'est compliqué parce que là le Nasus, il a pas beaucoup de kills, mais il a du farm et il a bien stack. Oh merde. Il laisse tous ses trucs. Ah ça c'est marche. Oh, comment il a fait? Ah bah ça fait chance hein. Il y a l'histoire, il était quasiment sur la pente et... Pas de chance, pas de chance. Attention, attention de pas mourir dans ce timer là les gens. Attention parce que là si tu meurs dans un timer baron, ça peut être très problématique. Après ils ont enlevé juste le Brome. Après il y a tous les ultimes de tout le monde là pour l'équipe bleue, donc c'est pas trop un problème que le Brome soit mort. Faudrait prendre de la vision, on est comme en niveau vision là pour le setup baron. L'équipe bleue c'est mieux que l'équipe rouge en tout cas pour le baron. Ça va être compliqué parce que là, 3 dragons, quand il y aura le dragon ancestral, si l'équipe bleue l'ont, c'est fini. Ils vont pouvoir rouler la tête sur le clavier, engager, faire la pire engage et quand même gagner le teamfight. Et là, bah, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, c'est vrai que pour la luxe, la Banshee, j'avoue, c'est pas mal. Pour Amumu et tout, mais... En fait, il y a assez de piles, en fait. Elle peut rester derrière, en fait. Le problème, ok, elle a fait une Banshee, mais pas l'Etadi. Genre, Lux, elle va pas dans la mêlée, quoi. Ah, what the fuck, j'ai pas vu l'Etadi. Elle avait pas fait des bottes de sorcier avant. J'ai pas regardé. Ah, merde. Mais l'Etadi Ninja sur Lux, c'est... Non. Non, non, on veut vraiment les bottes de sorcier sur Lux. Il recommence le deuxième bleu. Qui a offert 5 abonnements. À beaucoup trop de gens. Yon, Rakor, Jinu. Zedmir et le premier que j'ai pas vu. Je suis désolé. Bah bienvenue à vous. Merci beaucoup le deuxième bleu pour ce gros cadeau. C'est très gentil à toi, merci beaucoup. Du coup. Ouais alors les Tabi Ninja sur Lux, pas ouf les gars. J'avais même pas vu. En fait surtout quand. Même quand t'as pas de pile, il faut des dégâts. Parce que là tu vas manquer de dégâts. Alors c'est pas une question de dégâts, je vais expliquer le problème des bots pour Lux. Lux c'est un perso qui veut à tout prix mettre du burst avec ses sorts. Et elle va rester forcément backlane, elle a pas à se trouver dans la mêlée dans tous les cas. Et s'il y a un... Oui non mais c'est ça. C'est que justement elle a pas eu l'information, s'est trop avancée sur la carte sans faire attention par rapport à la jungle qu'elle peut se faire flank par exemple. Oui Lux t'as un problème comme beaucoup de gens ont et que j'ai parfois et que j'ai eu souvent. C'est-à-dire que quand tu joues des champions qui sont très fragiles comme Lux, ton positionnement il doit être très important et tu dois respecter les distances. Donc et quand tu descends et tu les rates, il ne faut pas rester. Et la deuxième chose, c'est que la PD magique elle est très rare et elle coûte cher. Et elle est ultra importante pour du burst comme Lux. Et les bottes de PD magique sont fondamentales avec le bâton du vide pour faire de bons dégâts contre des tanks. Et là, les tanks, il y en a 3. Et oui. Là, la Banshee en vrai. Ça, c'est pas comme s'il y avait une Lissandra qui t'engageait tout le temps, mais... La Banshee, c'est pas trop une mauvaise idée, en vrai, mais... Ouais, mais là, t'as vraiment besoin de dégâts, quoi, genre, t'as vraiment besoin de mettre une pression. Là, la Lux, bah, elle fait pas peur, genre, tu te prends un combo, ça te fera 50%, hein. Mais là, la baguette explosive, j'ai espoir qu'elle fasse un bâton du, oui. Bâton du vide, quand j'y crois. Bâton du vide, là. Si elle fait un Rayleigh, je m'arrache les cheveux. Bah, ils ont tous... ouais, non, mais pas Rayleigh. Non, mais ils ont tous de la résistance magique, même l'ADC, il a une QSS et tout. Par contre, la QSS va être très très relou. Parce que là, quand elle va toucher un Q, bah. Le Draven il va vraiment. De toute façon, c'est simple. Là, sur un teamfight, si Kessa meurt, le teamfight est gagné pour l'équipe bleue. Oui. Kessa fait partie de toute l'équipe. Là, le gros problème, c'est que l'équipe bleue, là, tu tues Draven, bah, il reste encore Nasus et Akali. Et le problème de Kessa, c'est qu'il faut aussi qu'elle gère le Nasus. Parce que Nasus, il y a juste à mettre un Z, et Kessa, elle est collée au sol pendant 5 secondes, quoi. J'exagère un peu peut-être le temps, mais c'est presque ça. Ça va être compliqué. Après, c'est vrai que la Tkessa est quand même en 7-3. Est-ce qu'elle va pouvoir faire la différence avec ses dégâts hybrides, sa QSS? Après, bon, bah, les Tabi Ninja, peut-être que ça va l'aider pour encaisser les dégâts que son équipe n'arrive pas à pile. Peut-être, hein, on ne sait pas. Attention, l'équipe bleue, là, est-ce qu'ils sont vus, l'équipe bleue? L'équipe bleue qui a encore la vision sur ça. Ok, non, l'équipe rouge n'a pas du tout de vision sur l'équipe bleue.
l'équipe bleue qui va récupérer un quatrième dragon et un troisième dragon des vents. Bon, ça aurait pu être plus vénère quand même. Hein. Bah c'est ultra vénère le dragon des vents. Bon. Oui, mais je préfère ça que trois infernaux sur leur équipe. Quoi, ouais, mais par rapport à la rotation sur la map, pour la vitesse après, de après la rotation, le Alistar a tellement beaucoup plus de vision. On est quand même sur un Draven qui joue beaucoup sur la mobilité. Et ouais. Même ça va permettre à Draven de mieux stack son canon ultra rapide pour abuser de attends. Des effets quoi. Attends, là qu'est-ce qu'ils sont. Attends, mais niveau baron ils sont comment là? Mais qu'est-ce que ça c'est? Oh, mais attends! Hein, mais attends, mais c'est le style là? Je veux dire, c'est la réussite du baron. Oui, Lux oui, n'est oui. Malheureusement pas là. Lux, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était où, Lux? Après, ah, honnêtement, elle aurait pas créé la différence là, même si tu rajoutes un outil de Lux. Bah, elle aurait pu zoner, hein. Elle aurait pu zoner et faire chier. Ah, y'a quelqu'un qui s'en sort avec le shield de qui, le shield de qui, j'ai pas vu. De quoi? Akali qui s'en sort avec 0 HP, elle a été shield par quelqu'un. Bah peut-être la rune de Brom. Hein. Ah non, Iron Solari par Brom. Ok, par Brom, ok. Bah, il a sa rune et l'Iron Solari. Ah bah bien joué. Mais dans tous les cas, que Lux était là ou pas, ça aurait pas changé grand chose. Ok, la barrière un petit peu... Un peu soon là ici. Bah c'est à dire que quand t'es mage t'as besoin de zoner. Parce que là elle aurait été là. Elle aurait mis des E, ça les aurait ralentis de ouf. Elle aurait mis des Q, ça les aurait root. Et ça aurait complètement Ça aurait sûrement dissuadé. Mais en vérité des bons joueurs ils en auraient eu rien à cirer. Littéralement. Je t'assure. Lux n'a pas d'énormes dégâts. Elle a pas de pénétration actuellement. Là elle vient d'avoir son bâton du vide à l'instant. Non mais moi je parlais juste de contrôle ici. Hein. Juste de contrôle, mettre des E, des Q, etc. Oui, ça allait peut-être permettre de s'échapper des gens, mais c'est pas grave. Ça aurait limité la casse. Ouais, ça aurait limité la. C'est juste que quand tu vois ton équipe faire le baron et tu vois l'équipe qui va les interrompre, bah tu y vas. Une Talia par exemple, tu vois, elle aurait mis un gros mur, elle aurait fait un putain de barrage et ça aurait vraiment pu empêcher le massacre qu'on a fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça, genre, mettre des petits Q et des petits E, c'est assez stylé. Elle fait ce qu'elle peut. Évidemment, c'est pas évident. Hein. Peut-être qu'elle était... peut-être qu'on n'a pas vu, hein. J'ai pas voulu remettre en arrière, mais peut-être qu'elle était... Elle s'est fait zoner par quelqu'un de l'équipe bleue, peut-être. Hein. On n'a pas bien vu. Oh là là, les dégâts qu'il met, lui, sur... Ah, mais Yorick Gunblade. Ok. Effectivement, okay. C'est spécial, là. J'ai jamais vu ça. C'est en effet pourquoi pas. Un effet très spécial. Les deux ADC qui ont fini leur QSS. En fait, il vient du futur, il vient de l'an 2021. Mm-hmm. Et ça se fait un patch où la Gunblade fait des dégâts purs ou des dégâts magiques. Je crois que c'est ça. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Attention l'équipe rouge là, pourquoi le Draven est tout seul à la botlane là? Attention parce que là si on arrive à catch quelque chose ça peut... En vrai... Oui, laisse tomber ça. Il y a Yorick qui peut faire un gros trou. Ok, c'est bon, ils ont compris. Okay, que le Draven après parce qu'ils vont pas avoir beaucoup de dégâts réguliers s'il n'y a pas le Draven. Après il y avait le Nasus quand même mais ok tout va bien. C'est vrai que c'est compliqué pour l'équipe rouge hein. Parce que là il y a 4 dragons pour l'équipe bleue. Nasus il a combien de sacs le Nasus pour qu'on rigole vite fait? Bah, en fait pour faire simple les 3 dragons d'air font que mon équipe court tellement vite hors des combats et Nasus il a la pack du mort en plus donc là il s'est ouais, usé le bol. C'est vrai qu'il va vite. Ce qui fait qu'au Nasus il peut défendre toutes les lignes comme il veut sans avoir besoin de la TP en fait. Alors attention, Yorick qui va engager. Ah non, Yorick qui gagne pour le coup. Eh mais attends, mais. Non, mais t'as vu la Gunblade en fait comment c'est la reine conquérant. T'as vu la Gunblade quand même, elle régène de ouf en vrai. En fait, la Gunblade elle stack, elle scale avec la. Avec les dégâts purs. Attends, mais il me détruit. Mais mec, il perd pas de points. Mais what? Mais du coup, il est bien en 2021. What the fuck? Le Nasus a pas assez de burst pour le finir avec la Gunblade. En fait ce qui se passe c'est que la veuve là ok niveau 17. Donc la veuve niveau 3 de son multi. Elle enlève 10% des points de vie de Nasus par seconde. Ouais je sais qu'elle a essayé de voler le dragon mais elle a eu le temps de revenir. Oh attention. Oh étonné, attention là Kali qui va se faire prendre ici. L'ul de Lux était pas mal du tout ici, on a réussi à prendre le Brome. Attention, retournement de situation. Attention, parce que là le Draven n'était pas là, il était à la botlane. La Kessa qui va peut-être activer le passif, non. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que là ça a été bloqué avec le Yorick. Hein. Oui, le Yorick il a fait un trou littéralement.
Le Nasus, à chaque fois, par contre, qui respecte pas du tout l'Uric. À chaque fois, il se fait toucher par le E, et à chaque fois, il se fait emprisonner par le W. Mais là, le truc, c'est qu'ils ont complètement knockard la botlane, l'équipe bleue. Et... Parce que là, le Uric, il s'en bat les couilles de mourir. Il est en 2-5, il n'y a pas d'objectif sur la carte. Il s'en tire en plus. Le Draven qui fait le taf, par contre, de l'autre côté, qui a réussi à prendre le kill sur Kessa. Alors, attends, parce que. Là, je veux bien que la regène soit intéressante sur la Gunblade pour Yurik. Y aurait pas un autre objet? Non, en fait, non, je t'explique tout le délire de la Gunblade. L'outil de Yurik, il enlève 10% des points de vie de l'adversaire. Là, juste, il a quand même pas mal de points de vie. Et comme Yurik, elle a une Conqueror et ça convertit les 10% des HP sous forme de dégâts purs, bah, en gros, la Gunblade contre Nasus devient ultra forte. Ah oui, d'accord. Parce qu'il ignore les résistances, machin, enfin c'est un délire. Ah mais les dégâts en pourcentage de points de vie, ça fonctionne avec la Gunblade. C'est pour ça que la Conqueror avec le coup point noir qui détruit les résistances, bref, en gros c'est un délire... Ah mais c'est trop bien en fait, c'est trop drôle. Ça fait mal. Et comme la Veuve Noire a fait des dégâts mono-cibles sur une seule cible, bah du coup c'est ce qui fait un sustain complètement ahurissant sur la Veuve. Oui, la vache. Mais on pourra pas faire ça avec une Danse de la Mort, parce que la Danse de la Mort ça proc sur les dégâts physiques, là où la Veuve fait des dégâts magiques. Et comme la Gunblade, c'est juste dégâts magiques. La Gunblade, elle fait. C'est 15% de tout. Par rapport aux dégâts magiques, mais c'est divisé par 3 si ce sont des dégâts AOE. Ouais. Et comme la Veuve, elle fait que des dégâts mono-cibles, du coup, c'est bien 15%. Attends, la Gunblade, ça te soigne juste les dégâts magiques? Je pensais que ça soignait de tout. Non, c'est pas. Non. Ah. Ok. Non. T'inquiète. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que. La Gunblade, le sort vampirique que tu vas avoir, enfin le sort, enfin, le vol de vie que tu vas avoir, ouais. Je me mélange avec les mots. T'inquiète. Le vol de vie que tu vas avoir avec la Gunblade, il est basé sur n'importe quel sort que tu vas appliquer. Ok. Bon. Mais si on parle de la Danse de la Mort, c'est que les dégâts physiques oui, qui oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Mais attention. Maintenant, le sort vampirique que t'as sur la Gunblade, il est divisé par 3 sur les sorts qui font des dégâts de zone. D'accord, attends, parce que là c'est complètement le zoo, le Lux qui va peut-être s'en tirer, le Amumu qui va l'ultime avec le Yurik, le Draven par contre, il va. Oh le Draven qui. Il y a aucune chance, déchirer. Draven c'est beaucoup trop cheaté. Et là la game, elle est finie. Elle est finie, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé dans le fight. Et rip hein. Bah ce qui s'est passé c'est que mon équipe a scale et voilà. Du coup je te redis Yoko. Donc parce que là en fait. Moi ce que j'ai compris c'est que les 15% de soins de la Gunblade c'était que sur les dégâts magiques tu as dit. Non. Parce que les dégâts magiques que je parlais c'est les dégâts magiques de l'ulti de Yurik. D'accord. Mais ils sont convertis aussi en forme de dégâts purs par rapport à la Reine Conqueror. D'accord, ok. Ah, c'est et bon, comme les dégâts ils sont purs, bah, ça marche aussi sur la Gunblade par rapport aux soins. 500. Et comme ça ignore la résistance de Nasus par rapport à la Conqueror, bah du coup la Gunblade elle est ultra forte. Parce que comme les dégâts de l'ulti Yurik sont mono-cibles, comme c'est mono-cible, mais il profite vraiment de 15% des dégâts volés. Tout à fait. Si t'es des dégâts de zone, genre les dégâts de son E, les dégâts du E de Yorick vu que c'est des dégâts de zone, le sustain est divisé par 3. Oui, ok. Non, mais j'avais mal compris un truc, j'ai cru que tu parlais juste que c'était des dégâts magiques alors que c'était pas écrit. Le souci, c'est que je. Il y a tellement de petites informations. T'inquiète. C'est très dur de faire. C'est juste que moi, vu que je connais pas trop le jeu, des fois, je. C'était risqué, Bromé et Amumu, de partir alors que la game était finie. Mais en tout cas, très bonne game. En tout cas, le build Akali full cristal de rubis, je vous le conseille. Évidemment. Je me dis, tentir 6 cristals de rubis, elle l'a fait. Ah, et on applaudit avec les mains. Mais le Yurik, c'est vrai qu'il nous a on peut pas voir les dégâts, merde, j'ai quitté la game trop vite vu qu'en fait on était en mode spectateur. On peut pas regarder site. Le... Très bien, bah écoute, c'était une bonne game, en vrai, on a pris des trucs. Coucou Toucan, c'est la fin de la vidéo. Et les gens, la semaine prochaine, ça va être du Gold Plat. Donc si vous voulez participer, venez sur Discord. Et have fun! A plus tout le monde, GG Wellplay.